Non. Vous pouvez annuler le service de traiteur, ce ne sera pas nécessaire. Oui. Le quatuor jazz également. Merci. Suivez-moi. C'est vrai. Ce que Stacy m'a dit. Évidemment que c'est vrai. Ce que vous avez fait, vous avez mis en danger nos collaborateurs. Des bons collaborateurs. Des gens à qui j'ai confiance, qui vous faisaient confiance. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais clairement pas! Ça s'apprend, là. Que quelqu'un proche du délateur s'attend à du sabotage industriel. C'est la fin! C'est la fin pour nous! Comprenez ça? Je comprends surtout que vous n'avez pas les couilles de faire quoi que ce soit pour stopper Melinda. C'est ce que vous venez de faire avec le travail des derniers mois. Au fond, vous valez pas mieux qu'elle. Sortez. Douglas. Sortez de ma maison. Vous travaillez plus ici. Douglas. Je dis nulle part où aller. Pardon. Pas mon problème. Silo! Oh non. Non. Je vous ai laissé des messages? Je sais, oui, je sais. Hé, hey, nous devons parler. Vous me laissez entrer dans ma voiture? Quoi que nous nous sommes mal compris. Hein? Oh! Maintenant, savez-vous ce qui est une bonne idée de ne pas faire? Crier. Maintenant, vous avez deux choix devant vous, Miss Tilo. Et les deux mettent en scène le coffre de cette voiture. Soit vous mettez à l'intérieur la liste de tous les donateurs du parti. Soit nous vous mettons à l'intérieur. Mais non. Oh! C'est bon. Dites à votre curie de me lâcher. J'y retourne. Dites-moi, Miss Tilo, est-ce que vous nous avez vus ici ce soir? Jamais. Parfait.
Si vous changez d'avis, il y aura des conséquences. On peut parler? Au complet, ajouter 50 points Stacy. Walter! Madame! Ceci, c'est l'une des entreprises à numéro inscrites dans les dons du Blue County Party. Elle revient à 136 occurrences depuis 5 mois. Des montants de 100 $ dessinés dans une ribambelle de montants plus petits de particuliers et d'autres entreprises. Et vous avez trouvé la provenance de cette entreprise, madame? Non. Le nom du propriétaire est protégé par la loi, mais j'ai pu obtenir une adresse sur le registraire de Blue County. Et en faisant une petite recherche, j'arrive là-dessus. Vous avez peut-être un talent pour les mots, Stacy. Mais vous m'arrivez pas à la cheville pour manier les lettres. J'aime revenir, Monsieur Pickford. Je peux encore très bien repartir. Oh, mais soyez pas si mauvaise perdante. La provenance? Anonyme. Vous comptez publier l'information dans le délateur? Non. Mais vous, vous allez le faire. Hein? Je vais aller vous faire du café. Oh. Si vous les serrez trop fort, je porte plainte, vous m'entendez? Espèce de... Monsieur. Oui, c'est donc dans nos bureaux ce matin que les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de la directrice générale de la Blue Media Corporation, Melinda Phillips. C'est arrivé à la suite de la publication d'un billet du délateur qui expose un système de corruption en place depuis longtemps au Blue County Party. La mairesse se promit peu de temps après l'instauration d'une commission d'enquête. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je sais que je suis pas la personne que t'as envie de voir en ce moment, mais... Je veux voir personne. Ouais. Je te dérangerai pas longtemps. C'est juste qu'avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit que les excuses étaient peut-être en ordre. 5 minutes, pas plus. Tu vas avoir besoin de plus que 5 minutes. Désolé pour le rangement, j'ai pas
pas fait grand-chose ces derniers jours. Je ne sais plus quoi faire, John. J'ai tellement mis de temps et d'efforts dans cette série. J'ai l'impression que je n'ai plus rien. Je suis là, moi. Je vais devoir me trouver un autre projet. Retourner à la pub. Qui sait? Avec ta gueule, tu vas trouver autre chose. T'as montré avec mes notes d'outils que tu savais te battre pour ce que tu voulais. J'ai tellement été un imbécile, John. Toutes les choses que j'ai faites pour tenir cette série à bout de bras. J'ai dû avoir 3 ou 4 projets qui n'ont pas fonctionné avant 20 plaisirs. La gloire, c'est pas un chemin facile. Mais quand tu l'auras, tu vas souhaiter jamais l'avoir eu. Voilà. Laisse faire la gloire. La gloire justifie pas ce que j'ai fait à Daisy. Pas toi. Rien qui n'est pas réparable. Réparable? Tu crois que mon mariage est irréparable? Et ma série? La série la plus ambitieuse et coûteuse de l'histoire. Tu vas la faire réapparaître comme ça, d'un claquement de doigts. Vas-y. C'est quoi? Ben, c'est sûr qu'il manque les reshoots de l'épisode 8, la scène du train, mais non, sinon tout est là. Après la rencontre de mardi, Melinda m'a montré le pilote et j'ai pas pu résister, j'ai tout copié là-dessus pour l'écouter chez moi. Alors maintenant, si tu veux bien arrêter de chigner, je n'ai pas terminé l'épisode 9, si tu voudrais bien l'écouter avec moi... Tu vas voir. C'est le meilleur. Ah, vous tombez bien. Venez vous asseoir, je dois vous parler de quelque chose. Vous avez pris le bureau de Melinda. Là où elle est, elle n'en aura plus vraiment besoin. Je vais assumer ses fonctions temporairement jusqu'à ce que le CA ait trouvé quelqu'un de convenable. Ah oui, et c'est plutôt commode puisque vous êtes aussi la présidente du CA. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, très cher. D'ailleurs, à ce sujet, avec toute l'activité autour du Blue County Party, nous devons prévoir une exit stratégie. Vous voulez dire? Que tôt ou tard, Kate Maslow et ses petits comiques vont devenir une nuisance. Nous devons faire le nécessaire. J'ai des grands plans pour Blue Media. Et ces plans impliquent que Kate Maslow ait un problème de frein sur l'autoroute. Vous avez une bouteille, ça tombe bien. Débouchez-la. Nous allons célébrer la fusion imminente de la M Cosmétique et Blue Media pour former la M World. La M World. Ouais, le futur de la beauté late. Un futur sans compétiteur. J'ai supprimé les images de Men on Duty. J'ai aidé le délateur à arrêter Melinda. Vous avez fait le nécessaire. Et maintenant, vous allez aussi faire le nécessaire avec Kate Maslow. Sinon, je vous vends aux autorités. Ça n'arrivera pas, non. Et comment pourriez-vous en être si sûr? J'ai empoisonné le scotch. Je
resterai pas longtemps. J'ai seulement oublié mes affaires dans la chambre. Je sais que c'est vous. Je sais pas comment vous avez obtenu ces informations-là, mais... Inutile de vous dire qu'il va falloir garder nos distances pour un certain temps, en tout cas. Vous m'avez déjà flanqué à la porte. Ça devrait pas être trop difficile.